Cette histoire, il n'y a que Lana, 7 ans et demi, qui peut nous la raconter. Car sa maman ne s'est réveillée qu'à l'arrivée des pompiers. J'ai mis 18 et j'ai appelé. À l'autre bout, le caporal Florian Bouvet. Lana lui explique que sa mère, qui a fait un malaise, ne se réveille pas. Il sort dans son oreille, maman. Maman, ça ne veut pas. Est-ce que tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il y a de l'air qui sort de son nez? Oui, il y a de l'air qui sort de son nez. C'était comme ça, comme ça. D'accord. Et maman a respiré. Le pompier lui demande ensuite de mettre sa maman sur le dos, puis sur le côté, pour qu'elle ne reste pas sur le ventre. Comment? T'as réussi à mettre ta maman sur le côté? Oui. Il y a des risques de s'étouffer pour cette personne qui est inconsciente. Donc oui, elle a sauvé sa maman. Et pendant tout ce temps, est-ce que t'as eu peur? Non, parce qu'il y avait le pompier, il était très gentil avec moi. Il ne paniquait pas. C'est une petite fille qui panique très vite, mais là, elle a gardé son calme. J'ai fait. C'est vrai, t'es restée zen? Oui. Le caporal Bouvet demande alors à Lana d'aller chercher de l'aide. Elle sort de la maison, mais le portail électrique est fermé. Et après, j'ai pensé à un truc. La petite fille se faufile. Aïe, aïe, aïe. Et court vers les premières maisons. C'est l'après-midi, mais par un heureux hasard, une femme qu'elle ne connaissait pas va lui ouvrir. T'as couru jusqu'ici? Oui. Elle est infirmière, et c'est elle qui prendra le relais jusqu'à l'arrivée des pompiers. Et qu'est-ce que t'as fait? T'es fière de ce que t'as fait? Oui. Bah parce que j'ai sauvé ma maman. Maintenant, je suis une super héroïne. D'autant que Lana connaissait aussi son adresse, permettant aux pompiers d'arriver encore plus vite.